Et salut les amis. Allez, aujourd'hui c'est mon papa qui me fait sortir. Après être sorti deux fois avec le petit, j'arrivais pas. Bon, ils sont arrivés sur le lieu de vacances. Et du coup, vu que ils partaient faire un petit tour, eh ben, c'est parti, j'ai suivi. Et puis on va essayer de faire la sortie. Allez, ça part de là. Allez, les choses sérieuses attaquent. Là, tu me diras maintenant, même une montée de trottoir, c'est sérieux pour moi. Eh ben les amis, c'est mal barré. La reprise s'annonce difficile. Je pensais que j'avais pas grand chose à perdre vu mon niveau que j'avais en début d'année. Mais finalement, il y avait encore de quoi perdre. Ça va être encore plus dur. Allez, on a rejoint un petit morceau de route. Ça fait pas bon bonheur. Au moins, je suis régulier. Mon papa est tout là-bas. Bon, c'est impossible de le suivre. Il est en électrique, donc même s'il va pas super vite, il va déjà trop vite pour moi. Et puis ma foi, ben, on souffre hein, tranquillement, mais bon, en même temps, quand on reprend, c'est comme si je reprenais le VTT, je pense. Donc forcément, c'est pas des miracles. Donc petite sortie, plaisir. Et puis voilà, comme ça, et puis le jour où on pourra, si on peut passer sur un électrique, si j'ai pas récupéré d'ici là, ben pourquoi pas. Mais pour l'instant, financièrement, c'est pas au programme. Allez, regardez-moi comme c'est beau. Et on n'est pas encore tout à fait en haut, mais déjà, le panorama est pas mal. Et encore, je vais vous montrer du côté de Gap là. Pour ça qu'on en chie. Enfin, surtout moi quoi. Allez, première montée, c'est fait. Pas sans mal. Mais on est au bout. Et on est sur les hauteurs d'Ancel. Côté Ancel, regardez-moi comme c'est joli. Eh ben c'est dur, c'est très dur, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus que à descendre et à remonter de l'autre côté. Petite pause avant. Allez, c'est parti pour une petite descente tranquillou tranquillette. Avant une belle remontée, bon ça sera de la route en partie, mais il va falloir monter quand même. Alors on va voir si on se rappelle comment on descend. Celle-là elle est bien pour, comme c'est pas piégeux, ben, c'est tranquille pour reprendre un petit peu les mouvements. Putain, je remercie encore Philippe de m'avoir prêté une roue arrière qu'il avait en rab. Ça m'a permis au moins de reprendre pendant les vacances, parce que là franchement je croyais que c'était un signe du destin. Là. Si je reprenais pas là, je crois que je reprends plus. Oh, c'est bon de retrouver un peu des sensations. Là, tu vois, je freine parce que je me sens pas. Hop, là, il y a des chevaux. Alors, on stoppe complètement pour pas les effrayer. Bonjour. Il y a encore mon papa derrière, mais il va moins vite. Et voilà, bon, on va attendre mon papa ici. Du coup,
Allez, ça descend encore. Les copines qui me regardent, elles me soutiennent. Allez Seb, allez Seb. C'est mon fan club ça. Allez, on est dans la montée de Saint-Hilaire. Celle-là, elle va faire mal. Elle va faire très mal. Et là, on va aller jusqu'au plateau. On va aller jusqu'au plateau là-bas. Après, c'est un peu plus plat. C'est un beau paysage. Mais bon, faut-il encore y arriver? Allez, on est en haut de Saint-Hilaire, on est arrivé sur les champs. Comme je l'ai dit, bon, vous connaissez, vu que chaque année je le fais. Joli coin. Là, il n'y a plus qu'à pédaler là-dedans et arriver sur la dernière petite montée, normalement. Allez, ça monte encore. Bon, mon papa, je vois qu'il est monté par la route. Je vais suivre par la route, je vais pas me faire prier. Là, il y avait un petit chemin par la droite, mais s'il se tourne qu'il me voit plus, il va croire que je suis derrière. Alors, on va suivre tranquillement par là. Allez, en haut, en selle vue sous un autre angle. C'est pas magnifique ça? On en chie, ça reste pas moins joli. Allez, ça descend. Bon, par la route, mais ça descend. Fait du bien de refaire un petit tour de VTT, même si c'est pas 100% de VTT, mais c'est fatigant pour moi, mais ça fait du bien moralement. Content, vraiment, vraiment content. Et nous voilà arrivés. Eh ben un petit pas tout à fait 14 km pour 271 mètres de dénivelé. Ouh.